Allez, go pour le lantern luck, généralement ça me réussit bien, enfin comme machine à sous, et bien sûr c'est pas tout le temps le cas. Alors 102,50 c'est un peu trop, 31,25, 43,75, allez go. Espérons qu'il tarde pas trop à balancer les parties bonus. Rappel sur ce jeu, c'est Wild rouleau 1, 3 et 5 pour balancer le respin bonus. On voit qu'il est plus ou moins généreux selon le selon les parties. Notre numéro 3, dommage. Attaquer un petit peu fort avec des mises à 40 balles, enfin on verra bien. Je vais quand même me méfier un petit peu pour attaquer la partie. Alors, sans déconner, on aurait pu espérer le troisième. Dommage. Allez, je me lance 43,75 la mise. Ouais, cette machine, à part les bonus, généralement elle paye pas grand chose. Enfin, encore faut-il que les bonus sortent. Alors va-t-il pas? Non, il s'est pas montré. Ouais, tout compte fait, je vais peut-être pas tarder à rebaisser un peu les mises. Les chiffres d'ont réduit, hop. Lantern Luck qui paye beaucoup généralement avec les bonus. Bon, on attend les bonus, sont pas encore montrés. Enfin, qui paye beaucoup, c'est un jeu de mots car. On sait très bien que sur le long terme, sur plusieurs joueurs, c'est le casino qui gagne en général. Il y a bien sûr des joueurs qui gagnent, il y en a plus qui perdent. Donc là, jusqu'à présent, c'est le nant total pour les bonus, 530 balles premier big win.
va être contrôlé, ça va être peut-être la partie du 0 qui nous ramène à 0. Allez, spin chance, 102,50. Ouais, on a eu 10 balles en retour. Ben, sans déconner, le Lanternia qui des fois balance plusieurs bonus d'affilée là pour le moment. The Néant Total, Néant de chez Néant. Bon, de toute façon, c'est au bon vouloir du générateur de symboles aléatoires. Il y a un wide placé sur je sais pas combien de symboles, roule 1, 3 et 5. Et encore faut-il que le générateur de symboles aléatoires il sélectionne les 3. Sélectionne que dalle pour le moment. Va-t-il? Ouais, pas de commentaire. Ah, les spin chance à l'ancienne, et si seulement ça pouvait marcher. On n'a pas récupéré grand chose. 40 balles, allez, on retente. Par 27. Sans déconner, bonus que dalle, enfin bonus à l'horizon. Ouais, 50, pas terrible. On va tester, allez, une montante à l'ancienne. C'est pas garanti que ça marche. Allez, 87,50, good luck. Voilà, good luck, bad luck. Westpin, non. Pour quoi j'ai eu raison, ça aurait pas ramené grand chose. C'est la recherche de l'option miracle, mais c'est mal barré. Il suffit d'un spin avec les 3 wild, mais bien sûr il sort pas. Va-t-il, 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 va-t-il? Non. C'est pas très recommandé comme scénario de jeu, des mises à 60 balles pour une balance à 1003. Voilà, par compter sur l'option miracle, il n'y a pas grand chose à faire. Et non, no fonctionnel, ça marche pas. Hop. Partie du Lantern Luck avec 0 bonus, c'est quand même un petit peu rare, mais comme quoi ça arrive.
ben c'est parti à l'ego, direction 0. Super 0 avec 0 bonus à la clé. Va-t-il ? Eh même pas. Pas lâcher le troisième. Là, on est pratiquement pratiquement terminé. Allez, on est dans les spins à 31-25, pas de miracle. Bon, allez, il nous manquait un. Ouais, 9 euros de restant. Il nous reste 1,11€. Sans déconner. Il va me sortir le bonus à 1€ de mise. Ah, 15 super centimes. On va voir les mises minimum. C'est 25. Bon, j'en fais cadeau au casino. Ce sera là pour le prochain dépôt. Voilà, terminus quand même. Il y a eu des débats sur ce casino, mais au final, voilà. Zéro bonus sur le Lantern Luck. Ouais, bon, on verra pour les prochaines, mais là quand même, il y a toujours des hauts débats, enfin on verra. Là quand même, pas de vol, pas de vol. Zéro bonus, zéro big win, bon voilà. Pas de commentaires supplémentaires.